Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un boulgour au cookéo, une salade de riz et un dessert à la fraise. Alors, le boulgour et la salade sont pour accompagner un petit barbecue qu'on s'est fait en dernière minute. Improvisation totale. Allez, on y va. On a besoin d'un oignon, une cuillère à soupe de tomates concentrées, 350 g de boulgour et 20 g de beurre. Du sel et du poivre pour la recette. Donc là, j'ai mis en mode doré un oignon que j'ai émincé, que j'ai fait revenir. Je rajoute ma cuillère à soupe de tomates concentrées, un petit peu d'harissa, mais c'est facultatif. On rajoute après, donc on fait revenir d'abord nos oignons ainsi que la tomate concentrée. On rajoute 350 g de boulgour. On fait revenir notre boulgour quelques minutes. On bien imprégner les grains de notre huile ainsi que de la tomate concentrée et de la harissa, mais c'est facultatif. Voilà, on fait bien imprégner et puis après on couvre avec de l'eau. Alors de l'eau chaude, s'il vous plaît. Voilà, on couvre bien comme il faut. Et voilà, j'ai bien couvert mon boulgour. Je remue. Je remue pour décoller les sucs, éviter les codes erreurs aussi. Et là, ça, je vais rajouter mes 20 g de beurre. Je coupe un petit morceau. Et là, ça part en cuisson sous pression pendant 5 minutes. Après 5 minutes de cuisson, on égraine notre boulgour. Et il n'y a plus qu'à servir. On passe à la salade de radis. Très rapide à réaliser aussi, hein. On prend, là j'ai pris des tomates cerises, vous pouvez prendre des tomates normales. Et puis vous les coupez en tout petits cubes. Pareil pour le radis. Je coupe en 4 et après je coupe en tout petit. Voilà, je fais la même chose pour mon oignon. Voilà, je mets tout dans un petit saladier. Hop, mon plat de présentation. Là, j'ai un petit peu de persil que je ciselle sur ma petite salade. Assaisonnement, tout simple, un petit peu de sel, de l'huile et du citron. Là, vous voyez monsieur qui passe, il s'occupe du barbecue. Donc, il fait des allers-retours. Un petit peu de sel, de l'huile d'olive, un peu de citron. Et pour en décoration, quelques petites olives. Voilà, ça va accompagner notre viande. Et là, je passe à une petite recette rapide. J'avais des fraises dans le frigo, du yaourt, du fromage frais, du fromage blanc exactement. Là, j'ai coupé mes petites fraises en petits cubes. J'ai rajouté un petit peu de sucre, un sachet de sucre vanillé. Voilà, je remue tout cela. J'ai pris une poche à douille, c'est facultatif. J'ai mis du fromage blanc à l'intérieur. Voilà, j'alterne fromage blanc, un petit peu de fraises. Et voilà. Et ça fait un petit dessert avec une belle petite présentation, toute simple. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Merci de d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fera plaisir et je vous dis à bientôt.